Bienvenue à toutes et à tous. Moi, je suis très très heureux d'accueillir l'ensemble de toute la communauté du DLR ici à Clermont-Ferrand. La journée métier DLR, c'est une journée annuelle qui réunit à peu près 220 participants qui sont des adhérents de DLR puisque c'est une journée qui leur est réservée. Nous avons une année 2016 qui est une année que je qualifierais d'année de la résilience. Une année de résilience face à des chocs multiples qui sont intervenus au cours de cette année. On peut penser à des chocs géopolitiques. Donc là, nous arrivons à l'atelier. Donc là, comme tu le vois... Il y a une signalétique particulière. Oui, en effet, tu as des panneaux de danger qui précisent effectivement quelles sont les contraintes pour nos machines, les protections individuelles, les risques que l'on peut rencontrer à l'atelier, avec des indications également sur l'interdiction au personnel extérieur non accompagné de rentrer sur ces zones à risque. Oui. On y va? Oui. S'il vous plaît. Merci. L'atelier où on fait l'entretien. Atelier qui comprend 8 travées. Au cours de ces visites, nous avons observé différentes choses en fonction des activités et des particularités de chacun. Les entreprises, les dirigeants et les responsables sécurité m'ont fait voir par exemple leur aire de lavage. Donc on a une aire de lavage qui est munie d'un bac dégraisseur. D'accord. Ici la fosse de décantation, donc le bassin de décantation primaire. La distribution, l'allocation... et la manutention, et bien cette année, c'est trois professions ont vu leur chiffre d'affaires progresser. À quoi ça sert, les conditions générales? Eh bien, comme je le disais, c'est le socle commun. Le secteur distribution pourrait, en l'occurrence, penser un petit peu différemment la relation client, donc ouvrir une nouvelle perspective de développement. Nous avons été retenus au terme de cet appel d'offres en tant qu'opérateur. Attention et de relance au cours de Alors avant de rentrer un peu plus non conforme, on verra un peu des mal. Vous êtes dans un secteur où on a des besoins, où il y a des emplois. En plus, c'est des carrières passionnantes, puisque c'est des métiers qui évoluent beaucoup, avec beaucoup de technologies évolutives. Donc en plus, on est, j'allais dire, sûr de ne pas s'ennuyer, parce que ça va être des métiers où on va continuer en permanence à se développer, à se performer, mais qui sont mal connus. Donc il y a un énorme travail à faire, que je sais que vous faites, qui est de faire connaître ces métiers. Je pense de faire connaître à travers des personnes, des succès de jeunes ou de moins jeunes, mais qui parlent de leur témoignage, c'est quand même ce qui marche le mieux. Parce qu'il faut que, pour avoir plus de candidatures dans l'apprentissage, par exemple, il faut que les jeunes s'identifient en disant « Ah oui, mais il y a un tel ». Donc les champions, il faut les faire parler le plus possible, parce qu'effectivement, c'est une voie formidable, l'apprentissage. Et dans des secteurs et des métiers où on a des pénuries, c'est quand même comble d'avoir des besoins et de ne pas pouvoir les pourvoir, alors qu'il y a des jeunes qui cherchent un métier, mais qui ne connaissent pas ces métiers. Donc tout ce qu'on pourra faire ensemble pour l'aider, vous me trouverez.